Maniam Dominus et Jesus terriris, rex magnus super omnem terram. Gladiamus omnes in nomine. Les grands clercs, tout ça, allez. Les grands clercs, vous m'appelez les grands. Les grands clercs, vous les appelez. Il faut que ça suive. Et Jésus, le fruit de
Filium, et Spiritum Filii Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Rendons grâce pour tant de Parce qu'il l'avait mise au défi en disant
Seigneur, est-il vraiment au milieu de nous, ou bien n'y est-il pas? Acclamons la parole de Dieu. Jésus lui dit, moi qui te parle, je le suis.
de Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent près de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux, et il resta 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de ses propres paroles, et ils disaient à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons maintenant. Nous l'avons entendu par nous-mêmes, et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, en parlant à la Samaritaine, Jésus court un risque. Il risque que la Samaritaine ne comprenne rien à ce que Jésus lui dit, sauf au fait que Jésus a soif, qu'il lui demande à boire, mais pour tout le reste, elle n'a pas l'air de comprendre grand-chose. Et donc le risque, c'est que la Samaritaine refuse d'entrer sur le chemin de conversion auquel le Seigneur l'invite. Et le deuxième risque que Jésus court, c'est une fois que la Samaritaine a découvert que oui, Dieu était en train de lui parler, et que maintenant, elle va le dire à tous ses compatriotes, le Messie qu'on attend, je l'ai trouvé, il est là. Eh bien, le risque que Jésus a couru, c'est de s'adresser aux Samaritaines pour parler aux Samaritains. Au fond, il ne court pas, Jésus, un risque plus grand qu'en se confiant à nous pour annoncer l'Évangile. Parce que vous et moi, mes frères, sommes-nous meilleurs que la Samaritaine? Avons-nous des qualités supérieures? En quoi méritons-nous d'avoir reçu la grâce de la foi et la confiance que le Seigneur nous fait d'annoncer l'Évangile? Jésus donc, en rencontrant la Samaritaine, oui, court un risque. Et en se confiant à nous, d'une certaine manière, il court aussi un risque. Mais il veut le courir. Il nous donne sa grâce pour que, à notre tour, comme la Samaritaine, nous devenions missionnaires. On pourrait prolonger cette réflexion de 1000 manières, mais je voudrais surtout, avec vous, entendre comme une nouvelle fois ce que Jésus demande à la Samaritaine et l'expression qu'il emploie lorsqu'il lui dit cette phrase si simple, « Donne-moi à boire ». Bien sûr, Jésus a soif parce que il a vécu parmi nous une existence véritablement d'homme. Lui, le Fils de Dieu, le Créateur, a voulu marcher sur les routes de Galilée, avoir faim et soif, comme nous avons faim et soif, sur le pèlerinage de notre terre et aussi dans tout pèlerinage que nous pouvons accomplir, y compris le pèlerinage que nous accomplissons vers Poissy tout au long de cette année jubilaire qui nous est offerte comme une année de grâce et de conversion. Eh bien, il y a des moments forcément où nous exprimons notre soif tout simplement physique. Et quelqu'un qui marche dans un pays chaud, sous le soleil, à midi, a soif. Et donc Jésus a soif. Mais Jésus révèle quelque chose de plus mystérieux encore. Non pas simplement qu'il se fait pèlerin avec nous, les pèlerins sur cette terre, mais quand Jésus dit à la Samaritaine « J'ai soif », il indique mystérieusement quelque chose du mystère de Dieu et de l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que ce « donne-moi à boire » est comme l'annonce d'une autre fois où Jésus dira « J'ai soif »,
lorsque Jésus se trouvera sur la croix. Là aussi, il s'agira d'une douleur physique presque insupportable, d'un supplicié qui demande à voir. Mais il y a aussi indiqué mystérieusement que Jésus, c'est-à-dire Dieu, cet homme, a soif, pour ainsi dire, de notre foi. Ce n'est pas que Dieu aurait besoin de quelque chose. Ce n'est pas qu'il manque de quelque chose, mais c'est qu'il a hâte et qu'il attend de nous tous la foi. Devant la misère de l'homme, Dieu est pressé de sauver, de guérir, de se laisser aimer. Il s'approche de toi et de moi tout au long de notre vie, depuis notre baptême. Regardez combien de signes de cette prévenance de Dieu. Ces signes peuvent être très discrets, très confidentiels presque, ou bien des signes qui passent par des événements où l'ensemble du peuple chrétien est rassemblé, des signes comme celui d'aujourd'hui, de la ferveur de la foi. À travers ces signes, le Seigneur lui-même nous dit « J'ai soif, soif de ta réponse et du don de ta vie pour tes frères. » Cette parole de Jésus rejoint d'autres paroles du Seigneur, comme il me tarde de manger cette Pâque avec vous, où le zèle de ta maison me dévore. Et l'Église partage cette soif de Dieu, cette soif de Jésus. Et c'est pour cela que nous avons tant de joie et de hâte d'évangéliser. Comme le dit le pape François, nous avons la joie d'évangéliser. Et si cette joie d'évangéliser ne nous habite pas, c'est que nous sommes morts spirituellement, ou en état de léthargie, ou de maladie grave. Et si la joie nous habite d'évangéliser, ça veut dire que nous partageons cette soif de Jésus de rencontrer et d'être rencontrés par nos contemporains. Est-ce que nous en sommes persuadés? Comment sommes-nous serviteurs du Seigneur qui dit sa soif à l'homme? Saint Louis, bien sûr, a partagé cette soif de Jésus. Pourquoi, sinon, aurait-il eu ces audaces un peu étonnantes, voire étranges à nos yeux, de partir deux fois en croisade? Bien sûr, c'était pour libérer les lieux saints et permettre aux pèlerins de s'y rendre. Bien sûr, c'était pour racheter les otages. Bien sûr, c'était pour faire une démarche et engager son pays, le peuple chrétien, dans une démarche de conversion, en prenant lui-même la tête de cette démarche. Un chef d'État qui prend la tête du peuple, non pas pour changer des choses, mais pour que les cœurs se transforment, pour que l'amour de Dieu se traduisent effectivement dans la réalité. Mais il y a aussi un deuxième aspect de cette révélation qui nous est donnée par Jésus, par cette formule « j'ai soif ». Parce que ce n'est pas seulement le désir de Dieu de se laisser aimer, et de nous transmettre son amour, mais
Jésus explique à la Samaritaine quel est son désir à elle. Il lui révèle ce qu'elle espère au plus profond d'elle-même et qu'elle ne s'avoue pas. Et il lui fait comprendre qu'au fond, elle a non seulement le désir du bonheur, désir que nous avons tous comme humains, mais un désir profond de voir le Messie, désir profond de voir celui qui est la source de la joie et de la vie. Si tu savais, celui qui te demande, c'est toi qui lui aurais demandé à boire. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Oui, il y a en l'homme une soif profonde, soif de sainteté, soif d'aimer, soif de tout. On l'appelle le désir de perfection, le désir de sainteté, le désir de ne pas mourir, le désir de vivre. Quelles que soient les expressions qu'on emploie, il y a en l'homme limité ce désir inné de l'absolu, du bonheur, mais surtout de rencontrer Dieu et de ne pas le rencontrer seul, pour soi tout seul, mais de le rencontrer avec l'humanité entière. Un désir de communion fraternelle et de joie de toute l'humanité, c'est au cœur de l'homme, au plus profond de lui. Comme une terre asséchée et aride, oui, nous avons cette soif du Dieu vivant. Et nous savons que le Seigneur vient étancher cette soif. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Celui qui boit mon sang a la vie éternelle, il demeure en moi et moi en lui. Et nous savons bien que le mystère de l'Église, c'est ce mystère de communion dont parle l'Apocalypse, et que l'Apocalypse décrit ainsi: la multitude des élus se tient devant le trône de Dieu, lui rend un culte jour et nuit dans son temple. Ils n'ont plus faim, ils n'ont plus soif. L'agneau est leur berger et les conduit vers les sources d'eau vive. Frères et sœurs, Saint Louis lui-même, bien sûr, était assoiffé de la parole de Dieu. Chaque jour, il assistait à la messe, il recevait le pardon du Seigneur plusieurs fois par semaine. Cette relation personnelle avec le Seigneur ne le coupait pas d'une relation très forte, très attentive à tous ceux et celles qui vivaient dans le pays qui est aujourd'hui le nôtre et où il a tellement et ardemment voulu que cette soif soit partagée par ses compatriotes. Nous sommes, en ce matin, conviés de façon toute spéciale à regarder Jésus en croix. C'est d'ailleurs toute cette démarche du carême qui nous conduit à Pâques, pour laquelle, soit en faisant cette démarche du chemin de croix le vendredi, soit en venant vénérer à Notre-Dame de Paris, soit exceptionnellement aujourd'hui en venant vénérer la couronne d'épines, tant d'occasions nous sont données de voir comment le Seigneur nous a aimés, chacun d'entre nous, de façon
j'allais dire, concrète. Et d'être bouleversé une fois de plus de la beauté de cet amour et de demander pardon de notre péché. Demander pardon de son péché, ça n'est pas un acte servile, un acte irresponsable, un acte de quelqu'un qui n'aurait pas découvert la vraie liberté, la maturité de l'être humain ne consiste pas à nier son péché, mais à le reconnaître et à reconnaître le pardon de Dieu. Un homme libre, c'est un homme qui sait qu'il est libéré et qui reste humble, demandant au Seigneur de le rendre chaque jour plus libre de la liberté des enfants de Dieu, pour vivre en ce monde, vivre, agir, témoigner, parler en homme et en femme libre, libéré par l'amour du Seigneur, libéré de ses peurs, libéré de ses angoisses, ou les portant plein d'espérance en se remettant à Dieu. Soyons au pied de la croix avec Jean et Marie. Et Saint-Louis. Amen. Que le Seigneur soit en nos cœurs lorsque nos lèvres expriment la prière de l'Église. Unissant nos voix, celles des anges, nous t'acclamons.
nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré et pris le pain, en te rendant grâce, il le bénit, le remplit et le donna à ses disciples en disant: prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié.
et de la paix à notre temps. Porte ta miséricorde, libère-le du péché, rassure-le dans les épreuves dans cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, par qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Donnez-vous paix. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Et que Dieu tout puissant vous bénisse, le Père le bénisse et le Saint-Esprit.
siècle, qu'il soit béni. Garde-moi d'être humilié pour toujours. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur Dieu de vérité. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. L'allusion faite à la couronne d'épines et aux instruments de la passion du Christ pendant les persécutions du premier siècle, n'est peut-être pas décisive. Mais déjà, en 409, saint Paulin de Nole la mentionne parmi les reliques de la basilique du Mont-Sillon à Jérusalem. Et ce sont ces reliques qui sont transférées à Byzance dans la chapelle Macabre pour les mettre à l'abri de pillages semblables à ceux subis par le Saint-Sépulcre lors des invasions perses. En 1238, Byzance est gouvernée par Baudouin de Courtenay, un empereur latin. En grande difficulté financière, il décide de mettre les reliques en garde auprès des banquiers vénitiens pour en obtenir des crédits. Saint-Louis, roi de France, intervient alors. Les dommages des Vénitiens, et en 1239, accueille solennellement la Sainte Relique à Paris, où, pour les conserver, il édifie un reliquaire à leur mesure, la Sainte Chapelle. Je suis la risée de mes adversaires, et même de mes voisins, je fais peur à mes amis. S'ils me voient dans la rue, ils me fuient. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. On m'ignore comme un mort oublié, comme une chose qu'on jette. J'entends les calomnies de la foule, ils s'accordent pour m'ôter la vie. Ôtez-moi, Seigneur, je remets mon esprit. Ce sont donc les chanoines qui les présentent au bout des frères et les chevaliers qui les gardent. Cette présentation, telle que nous l'avons aujourd'hui exceptionnellement à Poissy, a lieu les premiers vendredis de chaque mois à 15h à la cathédrale Notre-Dame de Paris, chaque vendredi de carême également à 15h, et le vendredi saint. Je suis sûr de toi, Seigneur, je dis tu es mon Dieu, mes jours sont dans ta main. Qui s'acharne. Montez-moi, Seigneur, je remets mon esprit. Jérusalem, Jérusalem,